Ah, salut. Enchanté, Raphaël. Landry, enchanté. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la pêche de la truite en France. Je suis accompagné de monsieur le garde de pêche. Bonjour à tous, donc Adrien, donc agent de développement à la Fédération de pêche du Pas-de-Calais. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de la pêche. Donc on est sur la Ternoise, donc un petit affluent de la Canche. Ouais, donc on est dans le 62, le département 62, ouais, donc c'est la Fédération 62, la Fédération Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, exactement. Ouais. Du Pas-de-Calais. Ok, alors toi, tes actions, tu es garde de pêche, mais tu es aussi développement, donc tu donnes des formations, enfin tu fais plein d'activités au sein de la Fédération. Ça, donc je suis garde de pêche, hein, oui. Je suis chargé de la surveillance du réseau, on va dire des APPMA et des lots de pêche dans le Pas-de-Calais. Bah alors là, ce matin, on est sur la Ternoise, on est aussi en compagnie de Gaël, qui est déjà en action de pêche. Et Gaël, patron de chez Eurofly, marque de pêche à la mouche. Donc vous avez un webshop qui a toutes les références qu'on peut inimaginables dans le monde de la pêche à la mouche. Et vous avez aussi des produits propres que vous fabriquez dans le domaine de la pêche à la mouche. Hein. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc aujourd'hui, deux approches complètement différentes. Moi, à la pêche au leurre, et Gaël, en action de pêche à la mouche. Ici, donc, on va attaquer cette rivière qui a une couleur d'eau assez colorée. Ben oui, ça c'est dû aux pluies précédentes. On a un type de rivière de type calcaire ici. Oui. Donc conclusion, ben, les eaux deviennent très vite brunes. Mais en contrepartie aussi, le type calcaire, ben, les poissons grandissent de façon plus rapide que dans d'autres types de rivières. Et donc on va retrouver ici une taille moyenne de poissons et de truites plus grande que la taille moyenne des rivières classiques. Donc on va probablement toucher des poissons qui vont faire 30 cm et plus. Et bon, toi, tu m'expliquais hors caméra que tu as raté une truite qui devait faire 65 cm, oui. Qui aurait été ton record truite ici. Mais donc, il y a clairement des monstres de poissons à faire. Et aussi, dans votre fédération 62, vu que vous êtes en quasi connecté près de la mer, c'est un passage de poissons migrateurs sur une partie des rivières ici. Bon, nous, on va attaquer cette journée de pêche et on vous emmène avec nous découvrir la Fédération de pêche du 62, leur rivière et tout ce qui tourne autour. Ouais, allez. Hein. Ouais, franchement, c'est bien. Hein. Parce que là, c'est tout. Hein. Même la tresse, ça vient de chez nous. Ils ont tout. Hein. Là, c'est tout. On s'en complet. C'est... Première zone de pêche, ouais. La rivière AA. C'est comme ça qu'on dit, Adrien ? C'est comme ça. Voilà, donc nous sommes sur la rivière AA. Et malheureusement, avec les conditions météo des jours précédents, il y a eu de la pluie, de la neige, enfin bon, un peu tout ce que vous pouvez imaginer. La couleur de l'eau, le débit est élevé, la couleur de l'eau est brune. Donc on est passé voir ce matin avec Adrien. La zone de pêche est compliquée à pêcher. Cette année, ça sera peut-être pas comme l'année passée. Est-ce que la couleur de l'eau l'année passée, elle était comme ça, brune, chocolat ? Non, pas tellement. C'est ça. Hein. On commence à pêcher ici ? Oui. Je pars de zéro. Zone inconnue, leurre inconnue, canne inconnue, moulinet inconnu. Voilà, on va voir ce que ça donne. Là, sous l'arbre. Vu que c'est en cru, là, le débit est fort, il faut essayer de prospecter plutôt les bordures, les zones à l'abri du courant. Ça pêche super cette petite cuillère là. C'est un petit retour nostalgique. Ça fait des années que j'ai plus pêché à la cuillère. Et là, je découvre une nouvelle gamme qui s'appelle Stukitun. Et ils sont spécialisés dans les cuillères, donc enfin, ils ont tout, hein, canne, moulinet, tresse, leurre souple, leurre dure, cuillère, la totale quoi. Je pense que c'est pas le bon moment de pêcher ici. On va donc décaler, on va aller voir un autre endroit. Est-ce que tu as déjà une idée d'où on va, Adrien ? Donc on va essayer d'aller voir sur Rumiverchoc, voilà si l'eau est un peu plus claire.
Oui. Et les conditions sont plus abordables pour pêcher. D'accord, c'est une rivière du même type On va dire plus petit. Un peu plus petite ? Ouais, un peu plus petite, c'est ça. Ok, allons découvrir. Remise à l'eau des poissons obligatoires. Je suis dans mon élément. Spot numéro 2. Poisson. Décroché. C'était le premier poisson de la saison 2023 et je l'ai décroché. Ok, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Gaël, je viens de leur rater un poisson. J'ai décroché une truite de 30 cm. Et pas d'épuisette ? Bah oui, en fait c'est ça que je me suis dit après, tant que j'ai pas d'épuisette, hameçon simple, ardillon écrasé, ça me laisse très peu de chance de sortir un poisson à attendre que t'arrives et que la truite fasse comme ça là, et saute dans tous les sens. J'attraperai jamais le poisson en fait, je vais tous les décrocher. Oh bon, c'est pas très grave si je les décroche mais... Non mais je vais rester à côté de toi. Bref, premier poisson raté, vous avez tout vu, vous avez vu l'action, mais vous avez pas vu le poisson. Moi non plus. Bah voilà, premier poisson avec une cuillère fort plombée. Et nacré, regardez-moi la couleur de cette palette quoi. C'est hallucinant, je trouve ça super joli. Alors qui n'a pas commencé par pêcher à la cuillère? Alors pour moi c'est nostalgique de revenir pêcher la truite. Comme ça, avec des cuillères, c'est mes débuts de pêcholeur. Hameçon simple, ardillon écrasé, c'est les règlements de la société. Et c'est aussi le pourquoi j'ai décroché ce poisson. Il me faut une épuisette, du coup je vais aller chercher l'épuisette. Un poisson, un poisson. Ah ben voilà. Elle est pas si maigre que ça. Non, non, non. Ah, ouais, il y a passé 30. Hein. Félicitations ouais. Et bonjour. Bonjour. Et tu viens par ici. Comment il m'a reconnu direct. Ben ouais, je viens pêcher ici. Là, j'ai raté un fish. Oh, ouais, il y a bien des poissons là. J'ai encore pris une tape. Pas piqué, mais là, il y avait de la tape encore. Donc, avant de faire ça, je vais d'abord pêcher là, juste là derrière, parce que il y a toujours une hiérarchie dans les truites, donc. Je viens de louper poisson. Là. Dans l'eau. Ah, un gros poisson. J'ai raté un poisson juste après, là, dans le tournant. Vous l'avez fait? Non, je l'ai raté. Et... Il a attaqué mon leurre deux fois, mais bon, forcément, on voit elle pas est les là, poissons. Elle est ici, en bordure. Ah ouais? Et le garde fédéral, il l'avait fait. Après, elle a peut-être bougé, hein. Mais ouais, là, c'est une belle zone de pêche. Hein. Je vais essayer, d'ailleurs. Si jamais. Poisson, poisson. C'est un gros fiche. Hein. Poisson! Gros arc! Oui, oh yeah, baby, elle est dedans.
Arc-en-ciel, mais grosse arc-en-ciel. Hop. Voilà, c'était une truite arc-en-ciel de 40 cm qui vient de retourner à l'eau naturellement. Putain, j'avais un énorme poisson. J'avais un truc immense au bout de la ligne. Immense, c'était immense, je l'ai tenu quelques secondes, c'était immense. Oh mon Dieu, j'avais un truc immense au bout de la ligne. Je pouvais rien faire, il était en train de prendre le large. Regardez. Mon hameçon est tordu. Le truc de ouf. Putain, je tenais le poisson record du monde ici. Mais non. C'était un monstre. Alors pour cette ouverture, je vais utiliser deux cannes qui sont différentes et complémentaires. Elles sont toutes les deux de la marque Stucky Fishing. La première, c'est celle-ci. Elle a des coloris militaires. Elle est plutôt assez sombre dans son ensemble. Elle est équipée avec un moulinet Silver Dust de taille 1000, une tresse verte de chez Stucky Fishing également. Et cette canne est une canne ultralight. C'est une Silver Dust en 1,95 m. Et d'une puissance de 1 à 7 grammes. Cet ensemble total de chez Stucky Fishing est un ensemble à bon marché, avec une action semi-parabolique. C'est-à-dire que la pointe, enfin pas juste travailler sur la pointe, mais un petit peu plus loin sur la canne. J'ai une deuxième canne avec moi, qui elle, est d'une puissance supérieure, de 2 à 10 grammes. Cette canne est de plus haute gamme. Elle s'appelle de servante. Elle a une puissance de 3 à 18 grammes, donc c'est une canne qui est plus puissante que l'autre. C'est pour ça que je dis qu'elle est complémentaire. Et son action est également différente. C'est une action qui, elle, est beaucoup plus de pointe, une action fast, comme on dit, une action rapide. Donc, c'est deux cannes qui sont complètement différentes. Avec les deux cannes, évidemment, on s'est pêché tous les leurs. Alors, cette gamme Stucky Fishing est une nouvelle marque qui débarque sur le marché français, belge. C'est une marque qui vient du marché suisse, qui est déjà très connue et très répandue en Suisse, qui ne se vendait pas sur le marché français et belge. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous allez pouvoir retrouver tous ces accessoires de pêche en vente, notamment sur le site fishexplorer.com. Je vous rappelle que sur fishexplorer.com, il y a même un code promotionnel FishTick10 et vous pouvez faire une économie de 10% sur les articles que vous achetez, donc profitez-en. Moi, je retourne à la pêche. Oh, le poisson de veau. Oh, l'attaque de malade qu'elle m'a mis, celle-là. Wow. Oh, c'est un super fario. Oh, elle fait de ses sauts de fou. Il y a un poisson. Wow, super fario. Allez, comment on rentre dans l'épuisette? Yeah, baby! Wouh! Ah, y'a beau fish là! Ah, super poisson, hein! Regarde ça! Ah, elle est belle, hein! Ouais, c'est pas mal! Ah, superbe poisson! Et regardez bien la couleur claire de cette truite fario! Hein, Adrien, il expliquait hors caméra que les truites ici sont très claires parce que c'est une rivière qui est claire, le fond est clair. Et donc ces poissons prennent la couleur, ils prennent vraiment la couleur du fond de l'eau pour être les plus discrets possibles. Et donc ils sont très très difficiles de les repérer, ces poissons. Même quand l'eau est claire, on est capable de passer à côté sans les voir. Donc waouh, vraiment beau poisson. Ça, c'est un top beau poisson. On l'a pas mesuré parce que
le temps de la mesurer, de la sortir et tout ça, je préfère pas. Mais je peux vous dire une chose, c'est que cette truite était plus grande que 30 cm. Et donc, ouais, on est bien sur des types de rivières où les poissons atteignent des tailles beaucoup plus grandes. Une truite Fario bien claire. Waouh. Adrien, merci. Je suis trop content là. Bon, c'est le temps de midi. Le soleil est de retour. Oui. Trop bien. Les insectes vont sortir, c'est Gaël le plus heureux là maintenant. Faut espérer que ça continue, c'est juste ça. En fait, on va rencontrer le vice-président de la fédération du 62 qui nous invite en quelque sorte sur ce parcours pour le découvrir, etc. Et ils sont super amicaux et ils nous ont invités aussi à manger avec eux ce midi. Donc on va aller les retrouver, on va lui poser quelques questions par rapport à la fédération, on va manger un morceau et puis on repartira sur un autre parcours qui m'autorisera encore à pêcher, parce que dans les parcours mouches, malheureusement, moi je ne peux pas pêcher parce que j'ai pas de matériel de pêche à la mouche. Et puis même je veux continuer à pêcher au leurre, donc on va repartir sur un parcours qui est mixte où on peut pêcher à la mouche, au leurre, etc. Bonjour. Merci de m'accueillir ici dans votre fédération de pêche du 62, alors si je le prononce bien, parce que moi à la belge... Alors ici vous êtes sur la c'est une rivière qui est connue de ceux qui jouent au Scrabble, parce que c'est un mot qui est facile, et vous êtes sur le parcours d'Ouve-Virquin. C'est une belle petite rivière qui comporte trois secteurs. C'est une APPMA qu'on a soutenue il y a une quinzaine d'années, qui comptait une dizaine de pêcheurs au bouchon. Et puis un club de mouches est venu s'y greffer, et maintenant c'est 57 moucheurs. No kill Fario total, comme sur tout le secteur de la A. Et puis c'est une rivière où il y a une quinzaine d'années on a réintroduit avec succès de l'ombre. Ah, ok, donc, ok. Un poisson très joueur à la saison, hein, donc là il ne s'est pas encore reproduit. Ok, et alors voilà. Ici j'ai pu voir que vous avez des parcours qui sont réservé pour la pêche à la mouche, ouais. Et vous avez des parcours qui sont du coup patrimoniaux, comme vous le disiez, qui sont plutôt ouverts à tout le monde alors et toutes ces techniques de pêche, comment ça fonctionne un petit peu ça, sur l'ensemble de la fédération? On a trois ou quatre parcours qui sont dits fédéraux, donc là qui sont accessibles à tout détenteur d'une carte de pêche, qu'on met à disposition de tous les pêcheurs. En gros, toutes les techniques de pêche sont autorisées, du moins que c'est un hameçon simple. D'accord. Si possible, hardillon écrasé ou micro-hardillon, mais on préfère moins blesser le poisson possible, avec remise à l'eau du poisson obligatoire. Il y a aussi quelque chose qu'on m'avait dit avant que je vienne, et c'est aussi une raison pour laquelle je viens ici, c'est parce que vous avez des parcours où il y a des poissons migrateurs, ouais. Et vous avez une population de poissons qui, en taille moyenne, est plus haute que la plupart des rivières que je connais. Alors, parce que vous avez des poissons de moyenne 35-40 cm. Voire plus, parce que c'est une rivière dite calcaire. D'accord. Donc une rivière calcaire, c'est une rivière où le poisson peut grossir très vite. Très vite, ouais. Et on s'était aperçu que la maille de la truite que l'on avait il y a 5 ou 6 ans n'était pas suffisante. C'est-à-dire qu'on prélevait des farios dans la rivière qui ne s'étaient jamais reproduites. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est les techniciens de la PPMA. Et en convainquant, on va dire, les pêcheurs, on arrive à faire des bonnes actions, augmenter la maille ou faire carrément du no-kill. Parce que faut quand même savoir que c'est une rivière qui a quand même subi, comme beaucoup de rivières, beaucoup de pression, sécheresse, écoulement, ruissellement des eaux des champs, ouais. Et que les frais ces deux ou trois dernières années n'ont pas été à hauteur de nos espérances. Jusqu'ici, on n'en voit pas ici, mais un peu plus bas, on a pris, la fédération avait prélevé des jeunes tacons. Mm-hmm. Donc c'est quand même qu'il y a des saumons. Pas en grosse quantité, mais qui sont aussi remontés sur la A. On espère que dans 10 ans, la continuité écologique sera totalement rétablie et qu'on aura des poissons qui arrivent jusqu'ici. Qui peuvent jusqu'ici. Remonter ouais. Jusqu'à tout en haut de la mer. La différence, c'est qu'une truite de mer peut faire ça plusieurs fois, un saumon le fera qu'une fois. Pour répondre sans doute à toutes les questions que se posent les pêcheurs qui regardent cette vidéo, ici, dans la filée du 62, s'ils viennent se déplacer jusqu'ici, vous avez une période de fermeture, je suppose aussi, qui est la même pour toute la France qui est la même pour tous les Hauts-de-France. D'accord. Maintenant, le Nord et le Pas-de-Calais ont été alignés. Ce sont des arrêtés préfectoraux. Aujourd'hui, c'est le jour de l'ouverture, jusqu'en octobre, pour les rivières dites de première catégorie. Oui. Merci pour toutes ces questions. Je vais terminer avec une dernière question.
Et je reviens sur les migrateurs parce que c'est des choses qui intéressent les pêcheurs. Est-ce qu'on peut les capturer? Est-ce qu'on ne peut pas les capturer? Les reprendre pas, mais je veux dire les pêcher, est-ce qu'on a il y a une maille. On peut le faire? Il y a une maille qui a été définie au niveau de la région qui est de 60. Mm-hmm. D'accord. Et il faut prendre ce qu'on appelle un timbre migrateur. Okay. Et il faut déclarer, parce que ça fait partie d'études aussi, ça, il faut déclarer, on va dire, ses prises. Ok, voilà. Donc fédération de pêche 62.fr et possibilité de vous téléphoner pour avoir un maximum d'informations. Pas de soucis, voilà. Merci beaucoup. Bon, ben les pêcheurs ici, en tout cas, ils sont très accueillants. Et moi et Gaël, on va aller boire un petit coup et manger un petit morceau avant de reprendre la pêche cet après-midi. Et espérons que les truites, cette fois-ci, ne se décrochent pas. Alors, on est l'après-midi. Nous sommes à Rumilly, si je me trompe. Rumilly. Et à Rumilly, nous attrapons... Des grosses truites, voilà, super, c'était exactement ce qu'on avait besoin pour cet après-midi, n'est-ce pas Gaël? Ah bah ouais, et puis là on a vu deux truites descendre là, donc on espère. On vient d'arriver, je vous montre la zone, alors là on est sur une rivière qui est de beaucoup plus petite taille. C'est là la canne d'aller en plus. Bon, il y a un petit banc et tout, là on est... Franchement, les aménagements ici, dans le 62, c'est plutôt top. Je vais m'équiper, je vais prendre des plus petits leurres, je vais pêcher... moins profond, avec des choses beaucoup plus légères. On va voir un petit peu ce que ça donne. Gaël, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, Gaël, parce qu'il y en a une autre. Je viens d'avoir une attaque de truite, mais elle est passée à côté. Oh, elle est passée à côté encore. Ok. Faut que je change de leurre, parce que... elle touche pas le leurre en fait, elle vient voir comme une folle, mais elle ne prend pas. J'ai le même modèle en petit, voilà. Je suis passé sur le même leurre, mais en petite taille. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce que ça, elle va le prendre? Attention, on va le savoir maintenant. Elle est venue, mais elle n'a pas touché de nouveau. Poisson. T'as quand même réussi, toi. Putain, elle vient de se dépiquer et elle s'est repiquée sur le dos, j'ai l'impression. Oh, vas-y, viens. Elle est mal piquée. Yes. Wouh! La remontada, clairement. C'est mon sauve-journée, quoi. C'est le même leurre en deux tailles. J'utilise la grande taille, je fais une belle fario. J'utilise la petite taille et je fais une petite arc-en-ciel. Même taille que celle de tout à l'heure. Deuxième arc de la journée. Allez. Par là, la sortie. Vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller, j'ai dit. Là, ça pêche. Ouais. Puis je suis dans la bonne profondeur et tout. Ah ouais, voilà, ça pêche. Que Gaël est en train de pêcher, je me permets de vous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Il travaille pour la marque Eurofly, et Eurofly, c'est un webshop qui vend tout ce qu'il faut pour la pêche à la mouche, c'est-à-dire du fly tying, tout ce qu'il faut comme accessoire pour fabriquer ces mouches, mais ils vendent aussi toutes les mouches que vous pouvez imaginer, que ce soit des nymphes, des sèches, des streamers, des accessoires, des lunettes, etc. Alors, petite astuce à la pêche, c'est d'avoir des lunettes qui sont polarisantes. Alors ici, j'utilise des lunettes qui sont de chez Eurofly. Donc, ça se retrouve sur le site de Gaël, justement. C'est des lunettes de couleur jaune. Alors ici, elles sont en vert et on peut voir un petit peu sur les côtés. Donc, ça ne bride pas du tout la visibilité. Et ça permet vraiment d'enlever le film de relief et le film de reflet qu'il y a sur l'eau. Et ça permet d'ouvrir notre vue
au maximum. Et donc je vous conseille vivement d'utiliser des lunettes pour pêcher. C'est vraiment un outil indispensable et même un outil de protection. Alors ces lunettes-là, elles sont vraiment top. Je vous les conseille. Vous les retrouvez sur le webshop de Gaël, donc eurofly.com. Je vous mets le lien dans la description. Et vous suffit de taper dans le moteur de recherche « lunettes polarisantes » et vous allez les retrouver. Wow, je viens de décrocher un poisson. Oh mon Dieu, je viens de louper un poisson, quoi. Premier lancer sous ce petit pont là. Et c'est une perche. Poisson à décrocher. Je sais pas si c'était une perche ou une truite. J'ai pas bien vu. C'était petite truite ou une perche. Je crois qu'il n'y a pas de perche ici, donc je crois que c'était une truite. Poisson raté là. Pas piqué. Ouh, là j'ai fait un lancer de merde. Poisson. Ouais, c'est bon. Mettez. J'essaye, hein, elle est belle. Hein. Ouais. Une arc. Ça va être la première de la saison. Yes. Premier poisson 2023. Ah non, première truite. Il y en a déjà eu d'autres. Allez ma petite cocotte, vas-y, retourne dans la fosse. Youp. Bon, elle n'est pas partie très loin, elle est toujours là. Il y a beau poisson, hein? Ouais. Il y a beau poisson, je vais me mettre là. Ouais, comme ça, je la laisse un peu dans l'eau. Waouh, trop bien. Cool. Bon. Ah, au poisson nageur, hein, t'as vu? Je suis passé sur la fin au poisson nageur et ça valait le coup. Hein. Ça c'est cool, ça c'est top, hein. Un beau poisson comme ça pour terminer la journée, trop content. Et bien voilà, ouverture de la pêche 2023, c'est terminé. Quelques poissons, mais de manière générale très compliqué. Hein. Ouais, les truites dans le département, dans la fédération du 62, elles sont plutôt de grande taille. Hein. La moyenne est quand même assez élevée. La mouche, c'était dur, très difficile. Très con. Bon, il y a eu de la touche, j'ai eu des loupés, quoi. Ouais. Après, certaines rivières étaient très hautes, ça bougeait beaucoup, ça charriait encore beaucoup de cochonneries dans l'eau, donc bah, les poissons étaient correctement en nymphe. Dans les fosses, c'est très compliqué à atteindre, parce qu'il y a un gros débit, et ça empêchait clairement la pêche comme ça à la mouche. Adrien, grand merci de nous avoir accueillis ici, chez toi, dans le Nord, même si je suis encore plus du Nord qu'ici, mais un grand merci de nous avoir accueillis, de nous avoir montré un petit peu les parcours et tu nous as montré des petites rivières, des moyennes, des un peu plus grandes, des plus gros débits. Enfin, on a vu un peu de tout, on a pu découvrir comme ça le département. Alors, grand merci. Site internet, Instagram, Facebook et encore une ligne téléphonique qui se retrouve sur le site internet si jamais vous avez besoin d'informations plus précises. Alors j'espère que de votre côté, votre ouverture de pêche à la truite s'est bien déroulée. Et sur ce, ben nous, on vous dit bye bye et à la prochaine. Salut. Ciao.